Overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. C'est sûr qu'on a la plage à nous autres tout seuls. Regarde, c'est juste 9 heures de char. Faut se rendre ici. Mais on pourrait dire qu'on l'a déjà vu. On a vu Stanley Beach aujourd'hui. Ouais, fait que la pandémie là, a vraiment scrappé notre saison de voyer et les vacances aussi. Non, je veux juste m'assurer que ce qu'on peut penser, qu'on a peut-être pas fait nos recherches avant de se déplacer pendant la pandémie, mais on est parti sur un road trip. Fait qu'on y va avec notre feeling, on y va avec assez de temps. Fait que non, on n'a pas fait de recherche avant. Fait qu'on fait juste se promener, se rendre. Mais ici, dans Peninsula Bruce, il y a super plein de beaux coins à visiter. Puis c'est sûr qu'il va en avoir d'ouvert à quelque part. Fait qu'on va faire tous les petits coins possibles. Puis ça va être nos vacances, ça va être un road trip. On n'a pas le choix, on s'adapte. On est rendu à Lion's Head, qui appelle, et le Bruce Trail. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you. Avant qu'on en parle, on va en parler pourquoi on n'a pas été en vacances au Québec. C'est ça que je voulais la mentionner aussi. En fait, la grosse raison, c'est que 48 à 49 semaines par année est passée au Québec.
Ouais. C'est pour ça qu'on est venu visiter l'Ontario, une place qu'on n'a jamais été voir pareil. Dans le fond, c'était juste pour ça. C'est juste pour vous dire que... On voulait juste vous dire que c'est pas parce que le Québec nous intéressait pas, c'est plutôt parce qu'on avait envie de faire changement, d'explorer d'autres choses qu'on n'avait jamais vues. C'est ce qui nous tentait, finalement. Ouais, avoir un changement de paysage. Ouais. Puis finalement, on s'est rendu compte que le COVID, il affecte tout le monde, il affecte toutes les provinces, puis on le sait que c'est pandémie, fait que c'est à travers le monde. Mais juste à Toronto, la plupart des... Il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Les restaurants, en fait, qui n'ont pas de patio à l'extérieur, sont tous fermés aussi. Fait que ça a été quand même des vacances. C'est difficile de... T'as envie de prendre une bière ou un bon souper sur une terrasse. Même, c'est très limité, les places qu'on peut aller. Je pense qu'il y a beaucoup plus de places à farmer ici en Ontario qu'au Québec. Hein. Les Québec ont commencé plus avec des confinements qu'ici. Puis c'est très dur pour les voyageurs. On a rencontré d'autres Québécois. Puis il y a une tour des places qui sont fermées pour eux autres. Même on a déconseillé d'aller plus loin ici, puisqu'on a été un matin. Parce que le parc national est fermé. Nos vacances de cette année étaient bien différentes des autres années. Plus tristes, plus difficiles et plus ennuyeuses. Les endroits que nous avons réussi à visiter étaient magnifiques. La personne qui m'accompagnait était parfaite et la température était sublime. Le problème, c'est que nous aurions souhaité être ailleurs, sur notre Lusca, en train de la préparer pour une belle aventure. COVID-19, c'est officiel, nous te détestons.